T'es avancé, Elden Ring? T'as fait des boss un peu? Ok. Margit. C'est drôle ces boss quand tu refais le jeu et que t'es bien au level, tu les trichotes, mais vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ce tournoi-là? Je propose de revenir à, vraiment à l'entrée Ah de ouais, l'arc. c'est malin, ouais. Alors, toujours ma petite carte. Donc... Ah, tu coupes à travers champ, toi. Ouais, ça va aussi, je crois. Ouais, il voulait refaire depuis la sortie de la ville, Guillaume. Ouais. Du coup, t'as tenté un run 2, c'est ça? J'ai fait 100% des hauts faits. J'ai fait une deuxième Ah! fois. Ouais, ça m'a pris genre 5 heures à tout refaire. Parce qu'il me manquait pas grand-chose. C'est bien. J'ai vraiment sprinté, c'était cool. Mais je suis quand même sûr que j'ai raté plein d'éléments du jeu, hein, parce qu'il est vraiment énorme. Non, c'est sûr. Après, je pense sur un DLC, donc je m'y remettrai après. Ouais, je vais faire pareil. Je me ferai une spé saignement, j'ai jamais fait. Une spé pas de race, tu veux dire? Exact, ouais. Du coup, moi j'ai fait la première avec mon Bolt Force, la deuxième en magicien et le troisième en saignement. Ah ouais, En stylé. inverse. Et le saignement, c'était le plus OP de loin, quoi. Ouais, ouais, il me semble surtout qu'à la fin, bah, t'as de l'XP, enfin, tu sais bien esquiver et tout, donc t'es au corps à corps, t'es tranquille. Ah ouais. Ah, je voulais faire l'aspect avec les fouets en fait, moi. J'ai vu une vidéo, j'ai trouvé trop drôle. Alors là, ici, il y a un espèce d'épouvantail, niveau 12. Attends. Mais je peux venir vers toi, il n'y a pas de souci. Ouais, complètement égal, hein. Je me suis juste dit, parce que... Et si on va par là-bas, on part à l'est, je crois. Regarde sur la map, si tu vas vers le château. Ouais, mais Non. alors, je sais pas comment dire, mais tu vois, si tu ouvres la map, il y a y a le petit pont au-dessus de nous. Et j'étais assez chaud juste de finir toute la partie droite avant le pont. Je sais pas comment expliquer. Et là, il y a les trucs... Ah, toi, tu dis finir de l'autre côté, là? Ouais. Ah, tu veux aller jusque là-bas, tu dis, par exemple? Bah, de tout faire, mais après, on peut très bien se laisser et puis remonter comme vous voulez. En termes de difficulté du jeu, l'île sur laquelle on se trouve ici, elle est un peu plus bas level qu'à droite, je crois. Mais moi, ça Ah, m'est égal, clairement. j'ai déjà fini le jeu, donc je m'en fous. Non, non, bah alors, je m'en fous un peu, mais en mode juste pas prise de tête, on avance et puis on voit ce qui se Ah passe. ok, alors ouais, c'est quoi? Bah je te suis, va où tu veux. Et puis si jamais ça fait aucun sens, je te le dirai. Mais je pense pas. Le jeu est fait pour qu'on puisse aller dans tous les sens, je crois. On va pas aller pour en taille. A great pounding suddenly erupts in your chest. Your inner god roars and... It is awful how he treats you. He asks so much. I am the only one who cares. He will Oh. say otherwise. C'est Don't play the Fiddlestick. game. Think of yourself. Santé. Rest here. Santé. A sudden weariness washes over. Ouf. J'en ai marre des éloquences, j'ai pas envie. Irresistible as a Ça, je storm. trouve un peu foireux dans le jeu que peu importe ce que tu choisis, c'est toujours éloquence, même si c'est la force, intelligence, mémoire. Ouais, c'est pour ça que tu peux mettre des trucs qu'ils ont donné en plus dans le jeu. C'est des options que tu peux mettre qui fait que ça prend l'éloquence du mec le plus haut du groupe. Je vous en avais parlé, mais vous aviez pas voulu les mettre. On peut toujours les mettre maintenant, hein, cela dit. On peut les mettre à n'importe quel moment. C'est juste qu'on peut plus avoir de haut fait après. Moi, je m'en fous, mais bah, je les ai déjà. Mais... Non, je m'en fiche. Ok, Je bon, on t'avoue pourra que le non. mettre. Moi, les hauts faits sur Steam, je m'en tamponne. L'épouvantail, le gros de gauche, je vais le téléporter à droite, je pense, ici. Non, je vais juste me faire saigner parce que c'est plus marrant. Hop. Oui, c'est clair. Tac.
Ah ouais? Le salaud. Salaud! Kaamelott, les gueules. Fumier! Fumier! Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 15 ans que je devais sortir. Hop là. Est-ce que je le fume? Ouais, il a plus tellement. Ouais, c'est un peu chiant. J'ai pas. Ouais. Ok. Miniature, Yann, en haut, on dirait Jar Jar Binks. Eh ben, ça va, mec, on t'embête pas. Excuse. J'ai pas fait trop gaffe, mais ouais, c'est bien passé. Il se passe bien. Ouais, t'es censé être renversé, au moins fait l'animation où t'es renversé. Ils sont peu résistants au feu, si jamais. Je dis juste. Hein. Ouais, je suis étonné comme ils ont pris cher. Mais ils ont pas beaucoup de résistance physique et je fais que les dégâts physiques. C'était quoi ça? C'est le nom du diablotin, le bruit du diablotin. Quoi? On t'a expliqué ce qui s'est passé à la session D&D, Yann? Un Death Wish? Comment ça? Ah non, pas nécessairement. C'est des morts vivants, ces machins. Non, c'est... Ah, si. C'est un peu chiant de me déplacer jusque là-bas. Je vais juste passer mon tour. Ah, je l'ai passé. C'est vrai. Ouais, c'est pour ça que je me... Je vais un peu me... Fais gaffe, il est maudit, hein. Maudit. Ouais, t'as raison. Ouah, d'accord. Non, ça peut être pas mal. Merci. Il nous faut plus de soins. Hein. Non, c'est bon. Vous avez joué à Cyberpunk? Oui. Nice. J'ai commencé à y jouer hier, mais putain, j'ai eu. Il a crashé pendant 40 minutes. J'ai mis tellement de temps à trouver quel était le problème. J'arrive pas à le lancer. En graphisme maximum alors que j'ai le meilleur processeur et l'une des meilleures cartes graphiques du jeu, du monde. Honte. Ça fait vraiment chier. Ça crache, ça fait des black screen, des blue screen et tout. Oh, elle est pas si nulle que ça. Ouais, c'est dommage. Le potentiel est vraiment là, il est cool. Maintenant, il a un petit peu amélioré apparemment par rapport à ce que c'était au début, mais ça me fait chier de quand même pas pouvoir y jouer avec les graphismes max. Sur le problème. C'est vrai. Ouais, mais sur une old gen, enfin sur Xbox 360, un truc comme ça, tu l'as. Oui, pardon, pardon, Xbox One, excuse. Oui, mais c'est une. C'est comme. C'est une old, c'est l'ancienne génération, c'est comme une PS4.
Oui. Non, mais bon, Yann, tu comprends pas ce que je veux dire. Quand le jeu est sorti, il est sorti sur ancienne génération. Et il n'était pas optimisé du tout pour les anciennes générations. Il est juste pas jouable. Ah ouais? Ah oui, parce qu'il y a plusieurs versions de chaque ok, ouais. That was the one who leads them. Yep. Est-ce qu'elle va saluter un cadavre? Oh, trop beau. Première fois de ma vie que je peux cliquer sur un gars. Ouais, sûrement la première fois. Oh non, mais moi je sais même plus. Hein, je... Damn. Y a une grenouille qui dit que je suis moche. Nice. Ouh, art de la guerre ou chasseur? Pyrokinésie. On peut tuer la grenouille. Mec, c'est cool. Ouais, fume-la si tu veux. Je sais pas ce qu'elle fait en vrai. Sort jamais. C'est la famille d'une sorcière, et puis en gros, elle dit que je suis hyper moche et que quand je la regarde, ça lui donne des poussées de venin. Mais que sa maîtresse serait peut-être heureuse de me voir parce qu'elle adore tout ce qui est moche. Vous avez tracé, voilà. Ah, j'ai crocheté la serrure. Here be witchery. Trespass not. Bon, bah, advienne que pourra, hein. Je rentre. Ouais. Almost homely. Almost. Est-ce que je change d'item? Oui, à la base, on était censé trouver l'ingrédient pour pouvoir méditer à nouveau là. Oui, mais ça c'est de l'autre côté, je crois que c'est dans la forêt. Bah, c'est ça qu'on était censé faire. Ouais, attends, le calme. C'était quoi le calme de la tombe? Non, c'était quoi? On fait ici là? Non, non, là, il vient de choper un truc et puis ça a mis le carnet à jour. C'était quoi le nom du truc? J'ai pas vu. Oh. Non, c'est pas ça. Bon, bah super. Comme d'hab, les gens. Si jamais j'ai un très très bon anneau, vous pourriez prendre. Peut-être des bottes, mais elles sont pas folles folles. Je les ai mis dans mon inventaire, bien en évidence. Non, tu peux le voir et je t'envoie. Moi, je pourrais l'ouvrir en fait, ça change rien. Quand j'étais assuré, je descends dans la cave. Je vous attends à l'entrée de la cave. Ouais. On my way. Mais peut-être pour Guillaume, par contre. Là. Alors, on a une grenouille d'éclair. Ah ouais, à fond. Mais Je elle est pas, non. Elle est pas très intéressante en fait. Elle a moins de. Ah, dextérité 12, de toute façon je peux pas la mettre. Il y a un rat qui vient d'exploser devant moi, si jamais. J'ai rien fait, il est venu vers moi, il m'a fait quick, il a explosé. Je te prends volontiers la bague. T'es mal à la taille du rat, mec. Je peux prendre la bague ou pas? Tu as la bague, bien sûr, je te vois, bien sûr. Hop. Ah, c'est. T'es mal à la taille de tous ces fucking rats, mec. Okay. Qu'est-ce que vous faites? Ouais. C'est juste des rats? D'accord. Pas agressif les rats, non? Aïe. Oui, attention, ils explosent, apparemment. Quoi? Bah ouais. C'était pas un piège? Merci. C'est les rats, c'est pas moi qui t'ai attaqué, hein. Ouais, je me mets juste de l'armure de magie vu que je suis en train de crever. Y a des trous là. Mince. Aïe. Eh putain! Jamais.
J'ai perdu la moitié de mes sorts, pourquoi? J'ai changé quoi? Les Ah, doubles. ils m'ont donné les ruptures, je sais quoi. Les bêtes ne meurent pas, je crois qu'ils prennent pas les dégâts, quoique si en fait. Ok. Je vais marcher sur les rails avec mon araignée. Ouais, je vais y aller. Yo. En fait, ils font des trucs de poison et de feu au sol, les rats, et quand ils marchent dessus, ensuite ils explosent. Ce qui fait que dès qu'il y a un rat qui meurt, potentiellement ils peuvent tous mourir. Alright. C'est verrouillé. Je crochette. Attends. Je Ah, crochette. c'est moi. C'est crocheté. Peut-être reste dehors, Yann, pour réouvrir si nécessaire. Ah, il y a plein de trucs à apprendre pour les pour toi, Yann. Ouais, je te les envoie. Ouh, il y a une potion de sorcière pour qui se vend 1000 pièces d'or. Moi, je vais prendre le tableau. Après, je vous laisse. On voit tous les compos, Yann, hein. Regarde ce que c'est comme du bétail en attendant, Yann. Il n'y a pas de livre. Qui fait l'électricité sur moi. Elle a le livre d'Alice. Elle nous le donne? Non, elle dit qu'elle va pas, on ne prendra pas. On ne prendra pas, on ne prendra pas, on ne prendra pas. On Moi, la je ferai ça fait pour. la fumée. Ouais, ou alors l'enlever juste pour aller voler le squelette. Qu'elle a, je pense qu'il doit avoir le truc. Il y a un squelette. Ouais, il y a un squelette au mur là. Ah ouais. Ah ouais. Tu veux que je TP? Ah non, tu peux TP tout seul. Non, je peux plus parce que j'ai plus aéroturge. Ah, je te TP? Ouais, faut que je monte de niveau. Ouais, c'est ça. Mais volontiers. Bonjour. Allô? Quoi? Pourquoi ça Oups. l'a tué? Parce qu'elle s'est déplacée sous l'endroit où je TP. Oups, désolé. Ouais, si la porte, si on peut rouvrir la porte. Ah oui, t'as raison. Ah oui, il rentre donc, excuse-moi. Si Faudra comment ça me sert pas. re-TP. Ouais. Je vous prie. Tac. Il dit quoi le livre? Je te vois pas là. Mets-toi au milieu. Alors, je vais vous le filer, le livre. Alors, note d'une sorcière au sujet des potions. Lire. Ah, vous ne comprenez pas un très gros mot de ce qui est écrit là. On voit. Je te l'envoie. Action. Peut-être regarde-le, Kitsune. Omaewa Kitsune. It's so gratifying when all my hours of arcane studies pay off. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Reste des connaissances arcaniques, je crois que je peux plutôt tuer les sorts. Mais... Oui. Ouais, mais on m'a retrouvé. Alors oui, effectivement, il y a la grenouille qui est morte, mais il y a encore une grenouille qui est à l'entrée. Si tu veux lui redonner sa forme. Bah, je t'ai filé la potion, exactement. Je propose qu'on aille voir la grenouille à l'entrée. Peut-être je vais lui refaire un bisou. Bah, il y a une grenouille à l'entrée de la salle, de la maison. Ouais. Celle qui disait que j'étais machin.
Vu que l'autre est morte, donc... De la police. Guillaume, en attendant, regarde si quand tu appuies sur Escape, tu as un truc qui s'appelle coffret de bijoux, un truc comme coffret de cadeaux. Un truc comme ça. Sac de cadeaux, ouais. Tu as ça? Oh, nice. Mais c'est ça que, tu peux activer pour... moi, je peux pas le voir. Mais c'est des trucs que tu peux activer pour changer notre partie, puis simplifier, enfin, rendre plus ergonomique certains éléments. Notamment le fait que tu as du coup l'influence du meilleur du groupe à chaque fois. Je vais voir sur internet lesquels faut mettre. Ah bah je vais mettre empathie avec les animaux, ça permet à tous les personnages du world de parler aux animaux. Mm-hmm. Ça, ça sera bien, comme ça vous pourrez aussi l'avoir. Combat aléatoire, on s'en fiche. On s'en fout. C'est peut-être Guillaume qui a les éléments sur lui. Oh, attendez, là, je suis en train de lire les trucs. Mmh. Je mets un truc qui permet d'organiser mieux les inventaires et le faire de manière automatique. Ah non, c'est chiant ça. Alors je fais pas, d'accord. Ouais, je déconseille vraiment. Tu me diras ce que tu mets à la fin. Ah bon, c'est un piège. Alors, je pensais mettre le truc qui fait qu'on parle tous aux animaux. Mmh. Le truc, profiter de la réputation et des compétences de tous les membres de votre groupe lorsque vous souhaitez négocier pour tenter d'obtenir un meilleur prix. Très bien, ouais. Et dans toutes les villes principales du jeu, vous trouvez désormais quelqu'un qui vous vendra des artefacts puissants et exotiques. Au fond, là. Je n'ai pas trouvé ton truc qui permet de... d'avoir le truc, là, de... Je sais plus. Éloquence, ça, j'ai rien trouvé dessus. Ah, merde, bon... C'est déjà ça au moins. Je peux vous faire le machin qui rend des points de source à chaque fois qu'un personnage se repose. Ça c'est bien, je trouve, ouais. Ok. Ah ouais, c'est ça, ça fait peut-être être ça, ouais. Ouais, mais là c'est seulement pour le négocier et pour obtenir un meilleur prix. C'est pas du tout l'éloquence. Bah, je t'envoie toutes celles que je trouve à chaque fois. Puis ouais, je vais pas rien faire d'autre, je pense, c'est déjà balèze. Ouais, écoute, c'est déjà pas mal. Tu vois comme ça? Yeah. Non, ça active directement. Ah ouais, c'est... Ouais, mais du coup, ça désactive les... Ah, ça recharge. Ouais. Seulement, ça avait quand même 2 minutes à charger. Mais non. Homme de j'ai mis trop de piment dans mes pattes, ça picote. T'as fait une nuka? Ah, ça fait pas. Ça me coupe la voix, mais ça pique pas trop, ça va. Ça valait la peine. Oui, je suis un petit peu enroué. C'est sûrement trop fumé aussi. C'est ça. Vous me connaissez. Je dois associer des tubs et après il y a la gorge qui gratte. Allez hop. Brochure des quatre sœurs. Du coup, et il y a quoi la potion de Trucmuche? Je sais pas. La potion de Trucmuche, je l'ai envoyée à Yann, non, je ne l'ai pas. Potion de sorcière. Comment on dit sorcière? Witch Potion Divinity. Paf. Treat it like attendre. Alors. Il faut que tu mettes. Il faut que tu fasses une potion avec Augmentor, Boletus et Witch Eye. Mais en vrai, il y avait une vraie potion de sorcière qui était déjà faite, que j'ai envoyée à Yann. Ouais, mais on peut la faire deux fois.
C'est moi qui l'ai. C'est toi qui l'as ? Mmh. Ah, alors regarde, c'est pas moi qui l'ai. Attends, on pouvait parler aux grenouilles, hein. Enfin, aux animaux aussi. Donc, je vais aller causer à la grenouille. Tac. Vous êtes tellement moche que vous allez finir par me rendre aveugle. Merci. Est-ce qu'on va vraiment sauver ce match ? Je vais vraiment sauver ce truc. Non, je vais dire d'aller se faire foutre, mais il y a peut-être d'autres personnes qui ont été transformées. Non, je peux pas, elle. Par contre, j'ai envie de l'éclater, là, vu comment elle me parle. Ouais, c'est ce que j'ai dit avant. Hein. Go l'éclater, mec, vas-y. Ouais. Je pense pas que ça se bouffe, vu la couleur, mais on peut l'éclater. Mais fais la potion que je t'ai dit, là. Augmenteur, Boletus et Witch Eye. Please. Ah, puis attends. C'est une plante bleue. Ouh, 2700 XP pour cette petite saloperie. Ouais, Augmenter. Oh, la variance, là. Augmentine, je suis en français. Je pense qu'on en a droppé quand même quelques-unes depuis le début. Augmentine, volet et œil de sorcière, ouais. Oui, œil de sorcière, c'est la carte. Je te l'ai envoyé. Non, je te l'avais envoyé. Tu sais. Parfait, on peut le tester sur personne parce que tout le monde est mort. Non, voilà pas. C'est pour la donner là. Ici, sur la map, au nord de toi, à l'ouest de toi. Ouais. C'est les seuls animaux qu'il y a dans la région. D'ailleurs, je conseille de venir leur parler, elles sont très drôles. Ah, il y a Guillaume qui s'est fait un pote. Bon. Tiens. Ça va le faire. Help us. Shush, Mabel. Don't you shush me, Geraldine. J'adore ces deux personnes pour trouver. I know they're still here. My apologies for my idiot. Don't be disgusting. We hardly know. Geraldine. Disgusting. Sorry, you won't believe it. She won't believe it. Truth is, kind miss, that we are not. We're people, captives to be exact. Faites quoi comme bêtise ? Balle des vaches. D'accord. Moi, je me serais quitté sur un pont. C'est vrai ? Tu l'as filé combien ? 3 pièces d'or, ça va. Ouais, ça va. Bon, il me faisait marrer. Just get to something to what my friend here means to say. Don't mention that. Tu veux l'éclater ou bien. Bien non. Hein? Tu veux le tuer ou pas? Non, il est mort. Okay. These will take effect any moment now. Thank you. My potion starting to work. Du coup, on va où? Vous faites quoi? On a sauvé des vaches. D'accord, vous sauvez des vaches, très bien. Oui. De quoi? Il a demandé du lait à un homme. Quoi? Are you regretting asking for my milk? Glad to see you. You still have my gratitude. D'accord. Thanks for keeping quiet about. Il fallait venir, écoute. Non, j'ai lu. Il y avait une vache qui s'appelait Géraldine. En fait, c'était un mec et tu lui as demandé du lait. Donc, du coup, il dit qu'il fallait pas. Il y a sa jupe qui bug un peu, hein, ma belle. Bonjour, au revoir. D'accord. Ça marche, Géraldine. Bois mermé. Et du coup, ça a fait quoi de les sauver à part de la douleur? C'est fun. D'accord. Ça fait un peu d'XP. Moi, j'aime bien sauver les gens.
Bon, bah, je oui, bien sûr. Dopt. Du coup, je continue à marcher sur la... l'avance. Oui. Bon, je sais pas, je me balade dans les bois. Putain, il y a un lapin blanc, on peut aller lui parler. Ouf, pardon. Il parle des fiddlesticks qu'on avait avant. I hit my head. D'accord. Un lapin avec une commotion. Oh, j'ai envie d'aller sur le pont à gauche. Ah. Il est tellement grand ce jeu, on va jamais réussir à avancer. À la vitesse où on joue, je pense que dans 2 ans, il y a encore. Mais... In the darkness of the woods, you spot a man overlooking a cage that holds creatures crept from a nightmare. Bon, écoute. Donc je le... Attends. Je sauve et j'essaie de le voler pendant ce temps. Il a l'air fort. Il a l'air balèze. Il est niveau 20. Ouais, mais alors c'est pas parce qu'il est niveau 20 qu'il peut pas le voler, tu sais. Là, c'est tout bon. Ah, adresse requise 5, non, je peux pas. Journal de Jahan. Non, j'ai pas fait les poches, je voulais parler avec le gars dans lequel elle a la cache pour l'instant. Ici, il y a un truc à déverrouiller dans, son, dans sa maison. Ok. Je lui ai piqué son journal. Bon, il était pas de couilles, Alors. Ah, tu sais que t'avais pas le droit de rentrer dans son truc, hein, c'était rouge, mais d'accord. Oh ouais, je sais que j'ai pas le droit. Ok, je déverrouille son truc. Crocheter la serrure. There's a great deal I could show you regarding the power within you. Ouh, je vais voler une de ces assiettes si vous n'êtes pas prêts. Une assiette. Bon, vous, allez, vous avez vu la bestiole qu'il a là? La bestiole. Pas dans la cage. T'es mal à la taille de la bestiole, elle est dégueulasse. Où ça? Dans la cage. C'est un mec? Ah, le chien, tu l'es? Ah, mais non, c'est pas un mec du tout en fait. Ah, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il dit en vrai? If you'll hear it. There's the rub. Ah bon? Quid the pro quo, I'm afraid. A tad vulgar, it will come as no surprise, I suppose, that it is a demon that he points towards the northeast. Je t'envoie des gants à identifier. Ouais. T'as piqué ça chez lui? Oui. Non, ils sont nuls. D'accord. Je les ai, tu peux les regarder si tu veux. Je pense pas que t'es dans les gens. Ok. Si, ils sont bien meilleurs que les miens. Ok. Gants des KM Martelé Magique, là? Ouais, je suis envoyé. 67 d'armure, je prends. Ouais, t'as raison, en fait, c'est en termes d'armure, c'est bien. Donc, il nous a filé de l'XP, ce monsieur, 7500, c'est bien. How fares the hunt, my friend? Quoi, du coup? On continue à se balader? Bon, Yann est en train de discuter avec le monsieur, et puis il n'arrive pas à faire deux choses à la fois. How fares the hunt, my friend? Ah, même chose, c'est chaud, je suis chaud. Ouais. Ok. Une brouille mortelle. C'est tout nous, ça. Nous, on s'en bat les couilles, on fait ça. Comment on fait déjà? T'es parti où, Guillaume? T'es descendu? Non, j'ai continué à côté là. Ok, excuse-moi, j'arrive. Du coup, bah, je vous attends. Il y a des magistères qui sont dans une sorte de. D'église et ils sont cachés. Oui, ils sont cachés, ils se planquent. Mais je vous attends. Non, oui, mais j'ai envie. Je peux pas le faire. Tu peux pas? Attends, j'ai une idée de fou. Genre foutre du sang dessus? Ouais. Non. Je crois qu'elle répond toujours pas. Je crois qu'il y a des quais. Hein. Ah, oh, t'es insupportable, je crois que je vais couper les voix. Hein.
Bon, du coup, si vous voulez leur parler, en fait, ils se cachent. Ils se cachent, ils sont cachés. Qu'est-ce qu'il y a en face? Mais. Bah, parce qu'ils sont peut-être nos potes, peut-être qu'ils prennent un combat, j'en sais rien. S'il va leur parler, mec. Un non-sourcelose nous pose problème. Fucking sorceleur. Ouais, alors attends, parce que du coup, c'est non-sourceleuse. Oh! Bon. Attends, c'est chaud, frérot. J'ai fait une blague, ils ont pas aimé. Oh non. Il a dit que le problème c'était qu'ils aimaient pas les magistères et j'ai dit que je pouvais résoudre ce problème. C'est quoi comme build pour ton personnage dans Cyberpunk, Guillaume? Toi qui l'as fini? Non, je l'ai pas fini, hein. J'ai joué Ah, ok. enfin, la moitié, mais il y a à sa sortie, donc elle était tout buggée. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'étais parti sur un truc piratage, je sais pas si ça me faisait rire. Puis en Ah, fait, je sais pas. c'est vraiment pas ouf. C'est pas ouf, ok. Du coup, j'étais parti. Ah, ok, Ah ouais? bon, je sais pas. Mais du coup, j'étais piratage et puis sniper à peu près. Ok. Ouais, c'est l'équivalent archi discret de Skyrim, quoi. En fait. Ouais, je suis pas exactement sûr, mais... C'est le truc de Edgelord, mais je fais pareil. J'adore. Sur Skyrim, je faisais magicien en armure. Mais ouais. Là, je vais essayer de faire une espèce de ninja. Corps à corps qui hack. Hack. Hacking. Avec Hacking les game. voilà, comme ça permet de tirer. Ouais, j'ai vu avec les épées, les doubles sauts, les machins comme ça, tu peux faire des trucs rigolos. C'est possible, j'ai joué 5 heures, donc je sais pas trop. Alors là, lui, est-ce que je peux le TP? Oui, je te mets là. Faut que j'ai eu tellement de bugs et de problèmes que je me suis dit que j'allais attendre plusieurs années qu'il soit enfin fini ce jeu pour avant de le faire. Ouais, c'est compréhensible. Mais le scénario principal est encore assez cool. On comprend toujours pas comment t'arrives à faire autant de tours d'action en un tour. Ouais, je suis désolé, j'essaie d'aller vraiment vite, hein, Ah non, mais. non, c'est pas ça que je dis. Je comprends pas comment tu fais. Moi, je fais une attaque, ça me prend. Une attaque au cac, ça me prend deux ou trois, je crois, slots d'attaque. Ouais, donc Glascan serait une catastrophe pour lui. Attends, tac. Je peux t'expliquer comment je fais ça, c'est assez simple, attends. Et non, je vais pas me déplacer. Ok. Genre même en faisant adrénaline qui est censé me filer plus de points d'action, je peux quand même faire genre une ou deux Alors, attaques max par tour. en fait, je caste des sorts qui coûtent entre 2 et 3 chacun, et j'ai pris le talent qui fait que quand je me trouve sur l'é je suis quand moi-même je me trouve sur l'élément que je caste, ça coûte un en moins en fait. Et quand je m'ouvre les veines, je suis sur du sang, donc tous mes spells coûtent un en moins d'un coup, et ça me donne un PC pour un tour, ce qui Ok. fait que ça me fait un différentiel de 3 points. Et à côté de ça, j'ai l'adrénaline et j'ai aussi hâte. Et quand je bute quelqu'un, j'en gagne 2. Donc en fait, du coup, je peux vraiment spammer en début de game. Par contre, là, tu vois, j'ai plus rien pendant 4 tours, je crois, un truc comme ça, ou 3 tours. Donc j'ai un gros, gros burst au tour 1. Mais tu as beaucoup de DVD, ça joue pas mal sur les 2, 3 premiers tours, enfin 2 premiers tours. Donc c'est important d'avoir un gros, gros engage. Et
Ça suffit. Il y a une spé que j'adore dans le jeu, c'est la spé à distance. Oh, j'ai raté? What? Ouais. Oula, t'es pas dans le bien. Je vais te healer juste après. C'est lequel? Non, j'ai comme le soigner. Non, c'est celui qui est vers Gyokoke. Ah ouais. Et je suis obligé d'aller vers ce type. Hémorragie, hémorragie. Pourquoi lui, il l'a pas? Ok. C'est lui qui m'a balancé la glace dans la gueule, là. C'est elle. Tu peux le soigner? Putréfaction, lui, là. Oh, nice. Ah, des fois oui, puisque tu nous envoies dans la gueule. Ouais. Ouais, elle t'aime pas trop, hein. Les archers dans le jeu, ils font tellement de dégâts, c'est ouf. Oui, clairement. Fin de game, j'ai envoyé des 1300 avec. Quand tu le places tout en haut d'un château ou d'une tour, puis qu'il a le bonus 150% de dégâts, je sais pas combien parce qu'il est en surplomb. Alors, est-ce qu'à 3 contre le poulet, on va s'en sortir? Ah oui! Et il allait faire... Ah non, nice. Ouais, passe ton tour. Comme ça, Guillaume, il lui met la demi. Ouais, je peux faire ça, regarde. What? Identifier. J'ai peut-être une hache qui est bien pour toi, une hache à deux mains, mais je suis pas sûr. Ouais, non, elle est pas folle. Est-ce qu'elle fait plus que 41-43 de dégâts? 47-54. Bah donc ouais, elle est bien. Moi j'ai que des... Attends, c'est... Pourquoi est-ce qu'elle est... Elle se vend deux fois moins bien que la mienne? Il y en a quoi comme mode bonus? Ah ouais, parce que j'ai 20% de chance de critique. 2 en force, 1 art de la guerre, 1 à deux mains. Ah ouais, regarde les dégâts que tu fais. Peut-être que c'est moins bien en vrai, hein, parce qu'avoir de la force et art de la guerre, ça fait des gros gros dégâts. Ça fait une belle différence. Ouais, à 6 de différence, alors je vais peut-être regarder ça que j'ai actuellement. T'es en train de parler à. Sans faire exprès, j'ai lancé, mais je lui ai pas parlé encore. Ok, ouais, je vais me servir un verre à boire. Et ouais, mais je vais faire pareil.
Ryan? Ok. Guillaume aussi? On se parle pas. On t'a attendu, hein, c'est juste qu'il y a un PNJ qui a pop. Enfin, Ce qui est rigolo, c'est que bah, je me casse avec mon casque, donc je vous entends toujours parler, mais je peux pas vous répondre. qui Non, je parlais juste avec Jennifer. C'est bon. Bon, les magistères sont morts, je vous remercie, vous savez y faire. Ah ouais, clairement la une. Je lui demande de nous enseigner la source. Oh, I'll ask one more thing of you. Help them, and I will help you. bon, on se penche sur la question ou l'idée de se faire foutre? Pas que je choisis. Bah, disons que la phrase pour les dire de se faire foutre, elle n'est pas assez extrême, donc je vais être gentil. Ça, c'est le côté genre, ouais, bon, d'accord. Alors, elle me propose ça, c'est stylé. Alors. J'ai rien de bien. Bon, j'ai droppé un casse-tête que vous l'apprécierez. Si quelqu'un le veut, je vous l'offre. Il est à vous. Quelques R et tout ce qui m'intéresse. Comment si ça ne sert pas à grand-chose. Mais comment si ça fait que 5% des dégâts que tu fais te sont donnés sous la forme de points de vie, donc c'est pas fou. Donc celle qui vient d'admettre que c'est celle qui a inventé le bruit immortel. Ah merde, sérieux, c'est elle? Ouais. Oh putain. Elle mériterait qu'on la dépop. Ah, elle me file un livre de compétences. T'as fait ça aussi? Portail entre les plans. À qui a l'invocation ici? Tiens, je t'envoie ça alors. Tu veux jouer à Portal? Ah! Je reviens dans 30 secondes. J'ai trouvé un TP. Ouais, puis je profite vite de remettre Aéroturbe. Ah, ok. C'est vrai qu'on pourrait, on pourra refaire un, dès qu'on l'avance un petit peu, on pourra refaire une refonte du personnage, enfin pour toi. Comme ça, t'es pas obligé de prendre le don pour parler aux animaux maintenant que t'as mis le cadeau. Oui, c'est exactement ça que je vais faire, mais dans 2 secondes, c'est fait. Ah, ok. J'ai trouvé un TP en fait, sans faire exprès, je me suis TP. On fera dès qu'on aura terminé une zone comme ça. On... Alors, tout de suite. Ouais. Ça fait vite prendre du temps. Oh, pas moi, je mets au bol. Oui. J'enlève un talon et je me déplace un autre. Hey, regarde ce type là, c'est pas le la liche? Yann. La liche qu'on a sauvée dans un sous-sol là. Ouais, c'est lui, mort-vivant desséché. Ouais. Ouais. Je dis, il aurait fallu fumer même. Elle était sympa. Ah bon? Oui, c'est vrai qu'on a mis ça. Oui. Tellement.
Ouais, c'est pour ça que j'ai pu maltraiter le poulet avant. Ah, c'était ça! Ok, nice. T'as une super attaque qui s'appelait Assaut. Tu sais, je profite avec mon nouveau level up, avec mon occultiste. Donc j'ai un sort de niveau 7. Et j'ai trouvé un truc qui est tellement débile, mais que je vais pas prendre parce que du coup c'est trop offensif à mon goût. Tu me les envoies, j'ai envie de voir. Ça marche. Je sais comment par contre pour me re-TP en arrière, parce que ça m'a TP sur le bateau, mais il n'y a pas de TP sur le bateau. Si. Comment ça s'appelle? Il y a un petit bateau. Ouais, mais ça met vers la plage seulement. Ah bah il faut que tu marches à TP dans loin. Oh, c'est nul. Ouais, mais nous, la statue de TP depuis la plage. Au nord. Ah oui, ok, ça mange. Ok, merci. Mais du coup, ouais, c'est un truc qui est genre, mais pété, mais comme jamais. Au niveau 7, genre, hein, ouais, mais c'est pendant une heure. À chaque fois que j'ai un sort qui touche, je lance 7 D8 de dégâts en plus. Quoi? Oui. C'est quoi le nom du sort? Genre couronne des étoiles, un truc comme ça. Sérieux? Ouais. Vous étiez où, vous? Bois du cloître, Dame Vengeance, Flotte Bois Champ. Cloître. Bois du cloître, ouais. Voilà, je suis là. 7 des 8 dégâts en plus? Ouais. C'est sous forme d'atomes, tu balances ça. J'arrive. Ouais, je lirais ça, ça me paraît bizarre parce que. Okay. Ouais, mais justement, je l'ai fait lire à Lucas parce que je trouvais ça aussi beaucoup trop petit. Ça veut dire, tu sais le sort de base de l'occultiste qui touche jusqu'à 3-4 personnes, là, tu sais, Eldritch Blast. C'est-à-dire, ouais, si tu touches 4 personnes, bah, tu fais 4 fois 7 des 8, quoi. C'est ce que je veux dire. Ouais, bah. Ah non, pardon, c'est moins pété, qu'est-ce que je pensais? C'est niveau 7, c'est 4 des 12 dégâts radiants. En plus. D'accord. Je peux se péter. De quoi? Quoi? Il a fumé ses pauvres nains. Non, mais non, mais c'est un pote. Ok, c'est un peu d'accord. J'accepte votre RP. Mais voilà, c'est un bon type. Bah, en attendant, il nous a filé des sorts et des trucs. Moi, il m'a filé des sorts de. Mordus. He wears a cloak of skin. Rip away his hide, and he's a mere grub. Oui, puis aussi, il déteste le gars qu'on déteste. Donc, donc l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. On dirait Yann. Bon, il veut peut-être les bouffer, mais moi, je les loot, là. Ok. Au sud, on n'est pas allé. Quoique si... Un peu. Ah oui, Guillaume. Il parle. Ouais, désolé, je veux juste avoir une info en plus. Alors, que fonctionne? Ensuite. Ah, ok. Allez, chef. Oh! Il y a des ours. Alors, ce sera à gauche. Bah non, on va leur parler, mec. Honey bears looks like. Mais elles sont bizarres. Honey ever makes your bear feel good. Ok. Ah bah voilà pourquoi il est bizarre, regarde là. Ah. Père contre fils. Peau de miel. Ça va être... Ouais non, mais il voulait pas que. Pourquoi t'as été manger le miel? Sorry. En plus, on a un infini de la source. Bon, c'est pas grave. Mais ils me font souci, ces ours, tu vois, je vais les aider. Ouais, d'accord.
C'est lui qui a attaqué. Clairement. C'est Han Solo. Ils ont pas de résist magie, si jamais. Ça ne va pas. Yeah. Ah mais non, mais c'est pas ça que j'ai cliqué. C'est pas ça que j'ai cliqué. Oh, je de ces morts, j'ai cliqué sur l'ours. Ce jeu est vraiment à chier quand même. Je de ces morts. Ouais, ça c'est la faute du jeu, c'est sûr. Ouais, bah c'est vraiment un jeu de merde. Nice. Oula. Oh, what? Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui a fait ça? Non, j'ai pas fait exprès. Comment ça t'as pas fait? What? Qu'est-ce qui... C'est pas moi, chef. Qu'est-ce que vous glandez? Ils sont transformés en chien de Lucas, là. Je sais pas, mais... Je sais pas que ça allait faire ça, putain. Du coup, t'as fait quoi? J'ai pas compris. Bah, je l'ai DPS, ça l'a buté, il s'est transformé en anéant urcidé, là. Ok, alors attends, je vais faire ça. Paf. Est-ce qu'il y en a un qui est plus dans le mal que l'autre? Ah, il tire à distance maintenant, ouais. Je suis tellement content d'avoir utilisé ma plus grosse attaque sur un totem. Et c'est marrant ça. Ouais, c'est bien en plus la vapeur bénigne. C'est-à-dire, ils pourront pas nous tirer dessus, ils vont rentrer dans la zone pour nous attaquer maintenant. C'est bien vu. Voilà. Ouf. Ouais. Pas très gentil d'être méchant comme ça. Oh, il tape fort. C'est seulement il y a un moyen d'éviter ce qu'on veut. Des côtés, on vient de rendre service à la nature. Pourquoi t'as fait rituel de guérison? Oh. On a été les deux foules, non? Bref. Et pas taper celui-là ici, par exemple. Je peux me taper moi sur lui, parce que je t'avoue que je vais pas rester dans le nécro. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Ah, c'était génial ce que t'as fait.
Il tape pas très fort au corps à corps. Alors, qu'est-ce qu'il va faire comme enchaînement sur ma veuve des ossements? Armure de givre sur veuve des ossements. Quoi? Mais non, c'est... Putain, mais ce jeu... Je clique sur mon bonhomme, je clique pas sur ton... Bon. The living meme. Ça va partir de ton LTF4, moi. Putain, mais non, c'est parce que t'es bad. Je clique sur mon bonhomme, c'est le jeu pense qu'il faut que je clique à côté, putain de merde. Je salue ta mauvaise foi. Ah non, mais là, il n'y a pas de mauvaise foi. J'ai littéralement cliqué sur mon bonhomme. Si le jeu pense que sur la zone, je suis sur une autre merde à côté, c'est qu'il est mal causé. Alors, t'as pas encore la VOD, déjà. Et ensuite, non, parce que t'as pas vu mon curseur. Allez, hop. Oh. Ça fait de l'XP tout ça. On peut remplir les ruches. Enfin, remplir. Et bien, il se trouve que j'en ai trois. Mais c'est fort. C'est fort le miel. Ça fait pas mal d'intel et tout en plus. Ah mais c'est parce qu'il y a un non-sourceleur qui est mort en fait. Ouais. Sans cadavre. Donc quand tu meurs, tu fais des flaques de caca comme ça. Possible. Bon là, j'ai déjà payé lui pour le pont avant. Oh non. Ouais non, on l'avait déjà buté. Ouais. Ah ouais. Du coup, on peut retourner où on était avant. Attends, si on n'a pas fini hein, la Z-Zone. On n'a pas fini? Typiquement, non, bah non, regarde la map, il y a un endroit en feu là, apparemment, au nord-ouest. Ici, là, il y a un ponton. Très bien, très bien, mais convaincu. Alors, je remonte. Nag, on avait vu ça au milieu? Bon, on va traverser le bordel qui est au milieu et puis... Oh non. Stop. Tap, carte. Anag, c'est la meuf qu'on a sauvée, là. Donc c'est qu'on a... Ok, bon, bah écoute, on va passer sur le côté. Je fais comment pour me déplacer depuis la carte, je peux pas? Non, il me semble des marqueurs. Bon. Voilà. Tant pis. Ouais, ouais, on va lui parler. Allez, hop. Cadavre d'elfe broyé. Et il y a un autre troll. Et comme troll. Ah, c'est noir. C'est ce qu'on cherchait. On s'en croit. Do you support Divine Order or Black Ring? C'est quoi le cercle? Oui. Non. Le quoi? Ah. Non, je suis pour le cercle, c'est bon. Ouais, c'est un peu tout ça, nous. C'est vrai que c'est un peu nous, ça. Ah. Oh, lui avait dit quoi? Bah que je faisais partie du cercle. Oh. Elle m'a demandé si j'étais pote avec Dalice ou si j'étais partie du cercle. Bah mais Dalice c'est le dragon. Hein. Ouais mais bon ça c'est une réponse de Suisse. C'est bon là. Voilà ce que je sais. Moi je vois tu décès monsieur, d'accord? Sérieux? Bah bien sûr. Eh bah. Félicitations. Merci. Et voilà. Bon, bah, c'est sympa.
Elle voulait construire un minaret. On n'est pas ici, madame. Oula, le cercle noir a longtemps étudié les toxines qui recèlent le corps desséché des morts vivants. Ah, c'est pour ça qu'elle aimait pas. Oh, tiens, c'est pour toi, ça, Yann. Très cool. Des trucs cool en haut. Someone's already plucked this one. Ouais, j'ai pris la racine. Moi. Attendez, à l'ouest là. Ouais, c'est à l'ouest. Puis ensuite, on peut monter si jamais. Mais si on continue tout droit, on arrive au truc de feu, non? Oui, c'est juste que là, c'est dans un. Si on regarde, on est un peu dans un coin. Ah on termine le coin. Il y a une belle vue, on peut faire un screenshot. Super, donc ça va rien. Non. Mais c'est joli. Ouais, d'accord. Ah, non, mais c'est bon, regarde, il a creusé quelque chose. Ouais. Bien joué. Magnifique. Tu peux m'envoyer aussi, non? J'aime bien l'or. Oula. Là. Bon, j'arrive. Vous faites 80 mètres de haut, monsieur. Oh putain. Oh what, c'est quoi ce truc? Je sais pas, mais je vous attends avant de lui parler. Je vais me planquer surtout, ouais. Merci. Maître. C'est bon, je peux continuer à lui parler, vous êtes là? The creature suddenly holds itself around the ears, as though seized by a great pain. On a ses oreilles entre ses pattes. T'as 6 oreilles et que 2 pattes. Y'a un problème. Oula, ça t'es bon matin. Oui, c'est exactement ce que je vais faire. Son frantic gaze passe from the blood-stained altar to you. He wants blood, my lord. I'll give you back. Très bien. Eh ben. Oh, ça fait un moment que j'ai pas sauvegardé d'ailleurs. Oula. Ah, il tombe, hein. Alors, on va essayer de tenter assaut. Je suis bien sur lui. Ouf! Quoi? C'est quoi le hurlement du néant? Non touch! Mais il faut. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Va falloir se concentrer là les gars. Ouais, je sais, ma caméra bouge dans tous les sens. Ah ouais. Ok, alors qu'est-ce qu'on a sur Yann? Putréfaction. T'es sûr? Non, mais je peux te soigner avec d'autres trucs, mais attends, je réfléchis ce qu'on peut faire. Ça fait quoi ça? Ouais, je pourrais, mais il faut des cadavres d'ennemis d'abord pour utiliser point de source. Sinon, je peux faire un dôme pour vous protéger. Je suis un petit peu gêné. Attends, je regarde juste quelle portée j'ai. Ah, ok, j'arrive à choper tout le monde avec tous mes sorts d'où je suis. Ok, excellent. Bon, bah. Ça a chié. Le vieux loup gris. Est-ce que je le téléporte vers vous? Ouais.
Ok, là. Ok, t'as raison. Ça me va. Est-ce qu'il y en a qui ont perdu les PV? Il y a juste l'abomination. Ok. Ok. Attends, je regarde juste au niveau des dégâts ce que je peux envoyer en fait. Parce que si je fais l'explosion de cadavres, il faut plus de cadavres que ça. Et pour qu'il y ait plus de cadavres, il faut que je tue des gens. Ouais, c'est fou, hein. Voir, il est pas résistant à ce qui est le mettre au sol. Donc si je survis au prochain tour, je ferai ça. Dans cette zone, tu veux autant créer les deux mieux, si jamais. Ouais, je sais pas si je suis dedans par contre. Bonjour monsieur. T'es dedans. Un valet qui a sorti. Pardon monsieur. Ah. Ah, c'était un one shot. Je l'ai one shot. Ouais, mais... what the fuck? Mec, il m'a mis genre 1000 de dégâts ou une attaque. Bah, je lui ai bien parlé en plus, c'est ça le pire. Attendez, on peut tenter un truc. Genre recharger l'ancienne partie. Je peux vous téléporter, je peux essayer de vous raise en fait. Comment tu veux. Est-ce que j'ai le raise? Non, j'ai pas. J'ai pas. Par contre, je vais faire d'autres trucs. Oui, putain, c'est une bonne idée, ça. Il n'avait pas assez, je crois. Pas juste que je charge parce que ouais, au prochain tour il est dessus, hein. Mais il va pas me choper là en gros, je pense. Bah, comme vous voulez. On regarde juste s'il arrive à me choper. Ah, parce que la dernière save elle date. Hein. Ah ouais? J'ai pas de save auto. La dernière que j'ai, c'est la mienne. Oh putain, moi je vais essayer de gagner ça alors. Non, il va me toucher. Oh merde. Voilà, la dernière que j'ai, c'est genre qu'on parle au gars dans la cage. Ah merde, j'ai mis le menu principal. Pourquoi ça fait un petit bout? Bah écoute, hein, je dis de spammer la save auto, enfin la save rapide, c'est à gage. Bon, on connaît, hein. Tu me dis que t'as rechargé, faut que je te rejoigne. Oh, oui. Okay. Ah, c'est dommage. Je reparle, Yann. J'arrive à l'avancer un peu vers toi, que je puisse ouvrir la porte ou pas? C'est bon, ok. Je vais juste... Ah bah non. Vas-y. Attends, comment ça se fait qu'il m'a vu? On continue à lui parler, je suis dedans. J'ai juste dérouillé le coffre. Je crochette, j'arrive. Et je me casse. On avait fait quoi en plus? On avait tué les ours et... Ouais, le magistère et ours. Ouais, c'est rapide. En plus, on sait ce qu'on fait. Permettez que j'attaque déjà les magistères. Oh, je suis tellement loin en plus pour le combat.
Non. J'ai oublié que c'était un jeu omniscient qui me fait rentrer en combat même si les ennemis ne me voient pas. Ok, ok, ok. Tac. Comme ça, on pourra tenter de ne pas tuer la mort vivante en nous parlant, si vous voulez. La mort vivante? Ah oui. Je suis tellement... Vas-y. Ouais, bah, j'utilise un point de PA, un autre point pour faire ça. Et là, comme ça, j'en gagne deux. Et ensuite... Tu peux faire une respé, Guillaume, tu peux faire un archer, puis moi je me spé pour être un peu plus tanky, si tu veux. Non, non, ça me va, ça me va. Comme ça, tu peux faire des dégâts insane, puis t'es à distance. Non, mais écoute, moi ça, j'aime bien ma classe. Ok, ok. Je que je me stuff un peu mieux, je pense, c'est juste ça. Ouais, c'est possible. Si t'arrives à buter celui du milieu, ça va être joli, Yann. Nice. Parfait. Bon, désolé, j'ai cassé des trucs, mais... Ouais, puis je leur ai fait 500 à chacun, je crois, un truc comme ça, donc on est bien. Ah mais attends. De la fête. Ce n'est pas... Ah ça m'a fait changer de tour tout seul. What the fuck. L'un des deux qui a genre plus de PV surtout. Vous pensez qu'on peut se le faire le loup-garou là? En vrai oui, mais je pense qu'il pourrait se faire l'incapacité au premier tour. Parce qu'il pouvait être... Il pouvait être contrôlé? Ah lol. Que quoi tu dis, pardon? Il pouvait être contrôlé? Il me semble. Décidément. Ouais, moi je peux plus me TP maintenant. Que je vais me casser la gueule. Ah. Moi pas, il me semble. Je crois que j'ai jamais crafté un truc. Ouais, j'ai jamais fait ça. D'ailleurs, j'ai besoin de clous, t'arrives à m'en envoyer. Yann, please. Bon, tu vas causer à la dame. Je vais déjà aller. Pas de soucis, je vais aller causer à la liche si c'est ok pour vous. Non, non, ouais, merci. Je vais aller causer à la liche. Ah non, Yann, tu peux aller causer à la liche. Bien.
Mais je sais plus ce que je lui ai dit en fait la dernière fois. Ouais, je peux faire une connerie. Puisque c'est notre meilleur ami. La bombe à brouillard, ça le café ça. The creature devours. I have he drained me. It raises a key distant. On va pas donner le portail, le livre des du portail. Now, my hunger must lui reparler, ouais. Ouais, mais j'ai déjà fait. My soul jar waits in the hills. Each taste of I think the blood spray. Je pense qu'il faut demander. C'est une personne qui l'a jamais parlé et qui doit aller lui reparler. Ah non, c'est okay. Bon. Non, c'est bon. Ok. Tu leur donnes un livre, Yann. La liche, c'est géré. Ok, on va aller fumer les ours. Tu fais une petite save. Vous voulez vraiment vous refaire les ours? Mais ils avaient fait genre 15 KXP. C'est beaucoup. D'accord. Voilà. Non, mais il n'y a pas à parlementer en fait. C'est qu'ils disent juste de te casser. Et c'est dès le moment où tu touches à leur mienne qui pète en câble. Si vous voulez absolument les épargner, on les épargne. On les frappe. Ouais. Oui, c'est vrai que si tu jettes sur le bon, c'est plus simple. Tu fais ton sort sur le bon. Alors, c'est quoi que je vais faire? Sacrifice de chair. Alright. Tranquillité d'esprit. Comme ça, j'ai un petit bonus. Pity bonus. Hop. Ok. Ils sont pas à portée, what the fuck. Ah ouais, ok, dès qu'il perd trop de PV, bim. Ok, petit esquive. Ah, pardon, c'était à manger. Chill, là, ça vient de switch. Ah, mais non, il est où? Attends, quoi? Il n'avait plus d'armure, le gars, que t'es devant moi. Ah, vous l'avez TP? Ça, la régène. J'ai plus vite ce que je... Non, vraiment se prendre des attaques d'opportunité. Carapace huileuse de groupe.
C'est ça. Je sais pas. Okay. Il va mourir de l'hémorragie de toute façon. Ils sont cons à toujours se prendre des attaques d'opportunité pour se déplacer d'un mètre. Guillaume. Oui, je sais. Ah, je sais pas, parce que des fois tu as le tab, je crois. Ouais, je dois que les. Ouais, c'est pas faux. c'est parce que je le mets en plein. Mais ouais, je t'avoue que je vais souvent autre chose pour mon combat. C'est pas forcément la partie la plus palpitante du jeu. Toto, what? Ouais. Voilà. Juste du pour le miel en fait. Sauvegarde de jour. Ok. Alors. Il y a la meuf que vous vouliez ne pas tuer. Ouais. Effectivement. La liche et la pop ici. Vous avez vu? Non, j'ai pas. On check ça juste après, si tu veux. Ouais, ouais. Quoi, tu sais, la fontaine qu'on n'a pas pu activer. Ah ouais. Ah, c'est pas très intéressant. Du coup, je dis que je fais partie de quoi? De ni l'un ni l'autre ou d'Alice? Tu dis l'autre, du coup. D'Alice. Elle dit que tu fais partie d'elle parce qu'apparemment elle l'était pour eux, non? Quand j'ai dit le cercle, elle a voulu me défoncer. Donc, ordre divin ou aucun des deux? Les deux me vont. L'ordre divin, ouais, ça n'a pas du sens parce qu'elle t'a attaqué pour l'autre carrément. Quoi, ouais, c'était ça, c'était l'ordre divin. Et tu vas faire hurle. I have books, though I hate to part with them. And you, hopefully, you have something I want.
Daphne is... What? She slaps her face violently as she corrects herself. I am... Elle s'est démêlée à ma chouette. A librarian comme moi. In arts for the glory of the order. The ring flames. Je sais pas si elle l'a fait en baillant. And here I stand. That would be prudent if I wanted to stay alive. Or whatever survival is not something that interests me any longer. Not in this form. Suddenly, she leans towards you with an unnerving... Enough about that. I'm traveling as I look for a particular book. A tome to teach me how to make corpses. C'est pour toi ça, Michael. Moi je fais ça. Elle veut ça. Mm-hmm. Tu le fabriques, il n'y a aucun problème maintenant. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Elle veut le... Elle me file plein d'argent. C'est vrai? Ouais. Alors... Personne n'a ce qu'il faut, mais je peux lui le fabriquer, il n'y a pas de souci. Je vais pas, pas pouvoir le faire maintenant, puisqu'il faudrait que j'aille à la ville. Elle vend des monstres trucs, hein, par contre. C'est vrai, ou je vais voir ça. Ouais, parce que tu vois, c'est les bouquins que tu vas crafter. Non, pas, c'était pas les bouquins de base. Alors, non, il faut... Exposer des cadavres. Cadavre. Ouais. On est juste de voir ce qu'elle a. Une idée qu'on peut regarder. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, on dit pas ça. Comment ça, votre offre est insultante? T'as pas mis de la thune? Bah oui, 3938, 3938. Ajouter de l'or pour équilibrer, accepter. Mais quoi, je dois déjà filer plus d'argent. Est-ce que ce serait pas le truc qui bug là, le sac de cadeaux, parce que t'as l'échange de. La capacité d'échange de Kitsune, mais ça s'est pas mis à jour. Bah en tout cas, le truc c'est que elle en demande 3938, moi j'ai en file 3942 et ça bug. Et ça me bug, mon offre est insultante. Putain. Tiens, je te donne un tableau. Hmm. C'est plus sympa de quoi? Oui. Bah, j'ai déjà moins 15, là je file 4000. Je suis à moins 30, putain, mais va te faire foutre. Ça marche pas tout bien alors. Parce que ouais, moi je voulais lui acheter sa ceinture. Sa ceinture m'intéresse. Hein. Ah ouais, il faut l'acheter, c'est stylé. Mais du coup, même en lui donnant 1000 pièces de plus, j'insultais. C'est normal. Là. 3 secondes alors. Je regarde juste si j'ai de quoi. Ok, elle vend pas ce qu'il faut pour. Combien est-ce qu'elle veut pour ça? 4388. Ah ouais, votre offre est insultante. Putain! Ouais. J'enlève le truc qui fait que c'est plus simple de négocier normalement. Attends, elle veut me tuer, quoi? Je ne peux pas vous laisser vivre, tellement elle s'est sentie insultée. Et je lui ai dit que je voulais me casser, j'ai pas voulu discuter avec elle. Oh bordel, la queue. Bon bah tant pis, on va la buter. Attends, parce que je peux encore acheter ce qu'elle veut. Attends, si je lui mets beaucoup, vraiment beaucoup d'argent, je peux quand même acheter tout ça. je vais essayer de la voler pendant ce temps. Essayer de la voler, ouais. Non, je vais essayer de trouver cette putain de ceinture. Ah, c'est pas con d'essayer de me TP, ouais. T'arrives à voler un truc? Attends, avant de me TP, t'arrives à voler un truc? Ouais, j'ai volé la ceinture et j'ai pris le truc qu'elle lootait, qu'on a buté. Tu vois d'autres trucs? Est-ce que tu voyais le casque et puis le livre de compétences, linceul noir? Alors, attends, je vais essayer. Hop. Je reviens. Alors... C'est un livre violet mais qui brille.
Non, je peux Ok, plus. bah. Alors, t'inquiète pas, j'achète ça moi, tout seul, comme un grand. Et je vais voir pour acheter aussi le casque, puis je vais lui mettre beaucoup de thunes. Si je mets genre 2000 de plus. Ah! Bon, ça m'a coûté 3000 de plus et j'ai gagné 170 de bienveillance. Bah écoute, tant pis ou non. À la sortie, ça a coupé le combat en fait. Ça a coupé la discussion parce que tu lui avais piqué un truc, je crois. Mais c'est pas grave. T'as tes objets, c'est bon? Bon, t'as pas sauvegardé juste avant ça, je pense, non? J'ai sauvegardé qu'on après les ours, il y a 30 secondes. Ah. J'ai un télé au moment là, c'est le karma, elle était destinée à mourir. Ouais. Très loin. Il y a tout qui va exploser si je fais ça. Oui. Ah Ouais. non. J'adore l'effet visuel. Oh, elle loot tellement plus de trucs que qu'on a tué la dernière fois. Mais vraiment, hein. Invocation, je te laisse. Bûcheron voie de vie, c'est un truc pour toi. Oh ouais, mais c'est plus long hein, de faire comme ça. D'accord. Y a presque des trucs pour toi en fait. C'est ça, j'envoie Adem, parce que c'est un. Bâton de mage. De l'air, c'est pour toi, Yann. Ça, c'est pour moi. Sérieux? C'est ce qu'il nous faut. Bon, bah écoute, on a filé plus de matos qu'avant, je sauvegarde. Par contre, le truc que j'ai pas capté, c'est. Ouais, enfin bref. Quand elle est morte, j'ai pu la looter. Elle filait de l'or, et à votre avis, elle a filé combien d'or? Sais pas. 17 000. Ah putain, c'est bah c'est le mien. Enfin, et le tien. C'est ce qu'on lui a acheté et vendu. Ok. 17K! Trop beau, mec. Il y a 7. Il y a 7000 qui viennent de moi. Je Mais de nous, quoi, c'est pas grave. Ouais, on peut les poser à la liche, ouais. Elle est en haut, c'est ça? Je prends juste la racine noire. Hop là, on my way. Ah, mais on peut pas. Ah oh non, c'est chiant, faut faire tout le tour. Bah, je montais sur les marches. Oh oui, mais c'est casse-couille de bouger la caméra. AWSD, tu mets, tu fais, t'es où, elle est où ta main gauche dans le slip? Bah ça, t'as pas une saveur. Creature ravenously gorges Avance pas le dialogue, hein. You look close at his victim and notice the corpse's small size. His meal. Ah, mais oui, non, mais il est gentil, hein. C'est un pote, arrêtez les gars. En plus, je peux goûter l'enfant. Hop, un ours en peluche et une longue branche. Ouais, Donc il n'y a pas la longue branche de la liche dans l'enfant, moi ça vas-y. me Ah bah voilà. Mais moi j'ai mis du sang avant, le reliquaire il devait s'ouvrir. Petit bâtard. Attends, quoi? Un enfant de naissance, ce monstre doit mourir. Ouais, le mal est fait, laissons la créature tranquille. Le jeu qui essaie vraiment de nous faire comprendre qu'il faut le faire, le buter au bout d'un moment. Tout le reste vous revient. Bah voilà. Moi, je trouve ça très bien. Mais oui, bien sûr. D'accord. On va voir jusqu'où ça va nous mener, ça.
Il fait quoi? Bah il fait comme toi. Oh, hop. Il a looté un truc. Ok, au revoir. Je vous laisserai dans le coffre ce qu'il y a. C'est quoi? Alors, détournement, je veux bien. Art de la guerre, je prends. Je vous laisse. De toute façon, on l'a déjà eu en plus. Ouais, ouais, bon, tu vois, on vient de te la filer. Mais c'est pas grave, tu peux le vendre. Moi, je trouve que c'est un bon type. Notre pote fait la même chose depuis le début pour se battre, donc on n'a jamais rien dit. Je me demande si on va le revoir à un moment ou à un autre. J'aimerais bien. Clairement. Le MVP. Ok. C'est ok, c'est notre pote, ça me bat. On va au nord, là où il y a du feu, ou on va vers nos potes qui ont des poils, là? Comme vous voulez, dans tous les cas, je pense que moi je m'arrête gentiment, mais on peut aller vers le feu, si tu veux. C'est... C'est moi. Ah bon, on va aller vers le feu, ok. Ça fait un gros challenge pour la suite avec le... l'autre, là. Robert Pattinson. Quoi? Oh. Ah, un spécial. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a une créature qui vole. Ouais, dans tous les sens, on peut leur parler. Bon, se sauvegarder, on peut y aller. Après vous, monsieur... Maître... Alice. Ah oui. Non, c'est Alice, c'est la sorcière qui avait disparu. C'est la sorcière. Ah bon? Ok. Oui. C'est le livre d'Alice qu'on a. Ok. Bon, bah écoute, YOLO, hein. Comment on dit par chez moi? 38 pièces d'or, magnifique. Attends, pourquoi elle m'a pas vu? Bon, on va lui parler. On y go? C'est bon? Ouais, ouais, vas-y, à toi l'honneur. Hein. Mais je veux pas de mal. Ah, elle semble manquer à Greenwood. Pardon? Je lui lâcherai le dos et j'irai faire dodo, pardon. On a croisé ses vaches. Bon, je l'attendais. Ok, elle a l'air d'être un peu... Mon dieu, ouais. Ah ok, il y en a beaucoup et... Oh, quoi? Alors, moi je pense qu'on continue. C'est ça, parce que t'es mort, donc il y a ton artefact. C'est ça? Genre, j'ai envie de tout faire, c'est ça? Dans tous les cas, vous faites défoncer, là, je pense. Mais... Arrête. Bah alors, je regarde. Vas-y, essaye. Regarde, je vais faire genre ça. Ouais, je yield devant personne, monsieur. Et ensuite, mon autre move, je vais faire ça. Tu l'as pas vu venir, celle-là. Hein. Les dégâts de fou la régène, si jamais. Hein. Ah bon? Ouais, je viens de voir. Parce qu'elle a 160% de résistance. Tout ce qui est au-dessus de 100%, ça te régène. Oh, du coup, on va pas... Voilà. On est tombé sur des mobs assez balèzes, hein, récemment. Mais je pense qu'on peut la péter, mais il faudra bien penser à la technique. Ah merde, oula. Bon. Ouais, j'ai rechargé la dernière SF qui était une automatique. Mais comme ça, on peut te revoir mourir encore une fois. Magnifique. Et ça n'avait pas de prix. Elle m'a quand même mis 1000 dégâts instant. Hein. Où ça crache? Vous y êtes, vous? Non. Moi, ça a crash le jeu chez moi. Quand j'ai chargé notre save. Collection expirée, ouais. Putain, il est vraiment bien, ce jeu. Est-ce qu'on s'arrêtera pas là, du coup? Ça vous va? Ah bon, on s'arrêtera là, ouais. À 22h22. Mais bah, voilà, c'était prédestiné. Voilà, les cartes, si l'on dit.
Bref, bon, sur ce, moi je vous souhaite la bonne nuit. Bonne nuit, et Et puis on se voit vendredi. on se voit vendredi, yes, pour la suite des aventures. Allez, ciao, ciao. Ciao, bonne nuit.